Lundi 5 septembre, il est 6h30, c'est la rentrée. Quelle horreur! Horreur! Je crois que la rentrée, c'est le moment où tu te sens le plus vivant dans ta vie. C'est là que tu prends conscience du cadeau que tu as eu pendant les vacances, de ce moment où tu te sentais vraiment toi-même, en communion avec la nature. Et là, bam! Bam! Coup derrière la tête. Headshot! La rentrée, le travail, les horaires à la con. À peine tu débutes, tu prends la route, puis il y a des rageux derrière toi, en voiture, qui te doublent comme des dingues, qui te font des queues de poisson. Voilà, c'est ça la rentrée d'un routier. C'est le retour à la réalité des choses. On sort du pays des bisounours. Oh mon dieu. Bon, en tout cas, j'avais quand même 2-3 petits trucs à vous dire. Déjà, un grand merci à tous ceux qui m'ont souhaité, et vous avez été nombreux, un bon repos, bonne récupération. C'était mérité, tout ça. Bon, mérité, je sais pas. Mais en tout cas, un très très grand merci à vous tous. Ça fait extrêmement plaisir et j'avoue que, bah du coup, j'en ai profité. J'ai fait une vidéo en moins pendant les vacances. Quelle indignité. Ce matin, d'ailleurs, c'était déchirant en partant de chez moi. Des chevaux qui m'ont regardé avec les yeux tristes. Bah oui, vous n'allez plus avoir de carottes. Il y a trop des michetons, des carottes là-bas, les chevaux. Quelle honte. Quelle honte. C'est honteux. Bon, cela dit, aujourd'hui, je pars au Havre. On m'a dit d'y être pour 8h30, donc je suis bien, je suis large. Pour la suite, on verra. Je vous dis à tout à l'heure. Le Havre, c'est parti. C'est ça, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Je peux te dire que ma mise en case n'était pas glorieuse. Changement de plan, finalement, je vais pas du côté de Rouen, je vais à Nemours. J'ai rendez-vous à 14h. Là, il est 9h44, il me reste à faire une petite coupure de 30 minutes entre deux sur la route. Ça va être tendu, tendu du slip, ou comme Natacha. Si je te dis que t'es tendu, c'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha, c'est tout. Petit connect, pour ceux qui connaissent pas, allez le voir. Plein de refs, il est génial. Bref, quoi dire, je regarde sur le ticket, 29 tonnes, j'ai... Oh mais non. Ah bah si. Ouf. Allez c'est parti, Nemours. Et encore une journée qui se termine sous un magnifique ciel, je vous laisse regarder. C'est beau hein, mais bon ça tonne un petit peu, on va quand même se méfier. Je vais quand même pousser un petit coup de gueule par rapport à mon client de tout à l'heure, parce que j'arrive à quai, je me gare, impeccable, tout va bien. D'ailleurs les mises à quai aujourd'hui après la reprise de 3 semaines, c'est compliqué. Je finis la vidéo, après je rentre hein. De Dieu. Donc je demande, mais vous avez un coin chauffeur, genre toilette, machine à café, douche. Il me dit, ah non, il n'y a pas de ça chez nous. Ah bon, bah c'est pas grave, juste savoir où sont les toilettes. Ah non, mais il n'y a pas de toilette pour les chauffeurs. Je vais, ah bon, mais pour un pipi, je vais où? Il me dit, il y a l'Intermarché, plus loin là-bas. Ok, pas de souci. J'ai trouvé un buisson, juste en face des bureaux. J'ai regardé dans les bureaux et j'ai fait mon petit pipi. Mais tu vas pas empêcher quelqu'un de faire pipi. Les chauffeurs, c'est quoi cette sale race? Ça se fait pas. J'ai fait pipi fièrement dans un buisson en regardant droit dans les bureaux. On m'a rien dit. Ah, ça fait du bien. Hein. Bon, demain, je vous laisse deviner où est-ce que je vais. Hein. Chalet sur Loing, Montargis, magnifique. Ah, oh, ça m'a manqué. Je mens. Oui, là-dessus, je mens. En tout cas, je suis très content d'être revenu. Vous voyez le camion Hyundai là derrière, enfin le container Hyundai. Donc tout à l'heure, il y a un pote qui vient me voir, on papote un petit peu. Il y a le camion qui arrive et puis le chauffeur il me regarde, il me dit c'est pas toi qui fais des vidéos? Si. Quoi, un petit moment qui fait plaisir. La pluie commence à arriver. On va mettre le matériel à l'abri et je pense que je vais avoir un petit orage sympa. Allez, des bisous, à demain. Bonjour.
Mardi matin, il est 8h. On commence tranquillement après 13 heures de coupure, donc on va pas se plaindre, hein. C'est bien, moi j'aime bien. Ça me va. J'ai l'impression que j'ai presque pas dormi en fait. J'ai pas arrêté de me réveiller, rendormir. Est-ce que c'est pas parce que j'ai plus l'habitude, je sais pas, de la couchette où j'ai passé 3 semaines dans mon king size. Bref, on s'en fout totalement. Direction LHTE, c'est le terminal le plus éloigné. Le terminal le plus éloigné du port par rapport aux autres. Je vais récupérer ma boîte pleine de pneus et on va partir à Montargis dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude, parce qu'il faut toujours avoir le sourire quand on part travailler. Sinon, si c'est pas le cas, on change de travail ou on fait ça pleureuse, ça arrive aussi. Allez, c'est parti, mon kiki et l'HTE. Ouf, ouah, ça vaut même pas un claquement de doigts, ça. Encore une journée qui se termine, journée sympathique, même si c'était à Montargis encore. Je passais des heures au téléphone, super cool. Même en revenant sur le Havre, des belles couleurs, un bel arc-en-ciel. Et on travaille beaucoup, les routiers, vous faites beaucoup d'heures. Bon, c'est vrai, aujourd'hui j'ai fait une amplitude de 12h30, ce qui reste raisonnable. Exactement la même chose qu'hier d'ailleurs, tiens. C'est rigolo, hein. C'est rigolo, moi j'adore. Et donc ce soir, j'ai profité des belles couleurs que nous offre Mère Nature. Demain, je ne repars pas à Montargis. Je pose mon conteneur chez Medrepère. Je vais en chercher un autre, je ne sais plus où, TDF, je crois. Après, direction le 68. C'est dans un truc de... Drift. Oh yeah! Rendez-vous jeudi matin. Donc demain, c'est que de la route. Donc forcément, très peu de contenu. Va falloir combler avec quelque chose. Pouf! Combler avec quelque chose. Ça me rappelle une copine. Mode beauf, désactivé, dodo. Ah, peut-être un petit film entre deux. Rebonne nuit. Regardez les couleurs derrière, là. Vous voyez les couleurs derrière? C'est magnifique, hein. Moi, je... Et coucou! On est mercredi matin, il est 7h. Je vais aller déposer mon conteneur chez Medrepère. Ensuite, j'ai rendez-vous ouvert entre 10 et 11 à TDF. Peut-être y aller un petit peu en avance, tenter ma chance, voir si je peux récupérer ma boîte pour partir directement après à Bervillers dans le 68. En fait, c'est juste à côté de chez Soultz, où j'ai déjà été plusieurs fois. Cela étant dit, bon, en mode bourrin ce matin, ben, je mets la caméra, je l'installe, etc. Je remets le petit bras du micro comme il faut et j'entends... Encore en mode bourrin. Faut oublier que c'est quand même du matériel délicat, donc faut éviter de casser des choses. Mais c'est pas grave, j'ai toujours mon gros Chatterton pour réparer, ce qui fait que oui, bah en fait, mon tripode est en train de passer du noir au gris, un style. Mais bon, c'est plus des pattes, c'est des enclumes, ça peut toujours servir. En direct de la Z3, la zone 3 de TDF. Je suis en case numéro 20 et à côté. Un inconscient, place 19. Salut bon ! Allez, 10h. On part seulement
du Havre. On part, c'est déjà ça, on va pas se plaindre. Oh mon Dieu. Bon, direction le 68, pas loin de Soultz. J'ai déjà dit hier, enfin tout à l'heure pour vous. Très bonne surprise tout à l'heure. J'attendais en casse, tranquille. Bah, deux chauffeurs qui discutent. Tiens, c'est marrant, lui il ressemble à un de mes anciens collègues. Mais ça fait au moins 8 ans que je l'avais pas vu. Je vois sur Facebook, telle personne travaille chez tel transporteur. Il dit, oh, ça correspond exactement à ce que je suis en train de voir. C'est lui. Donc je descends, et ma pote, ça fait du bien, j'ai fait un petit selfie juste là. Ah, ah, ça fait plaisir. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup à toi. Allez, c'est parti. Bon kiki. Youhou! J'ai tenté d'aller plus loin, mais je me suis encore arrêté à Raon-l'Étape, comme la dernière fois où je suis allé dans l'Est. À Soultz, la dernière fois. Eh, ça commence vraiment à faire une grosse barbe. Oh, on va peut-être faire quelque chose, hein. Bref, arrêté exactement au même endroit, au même emplacement, sur le trottoir un petit peu large, qui d'ailleurs n'est pas un trottoir, mais plutôt un peu de terre tassée. Demain, on décolle à 7h pour arriver là-bas à 9h avec une demi-heure de marge. J'ai été voir vite fait sur Google Maps à quoi ressemblait l'entrée... Ah, ah, bouge plus, hein. À quoi ressemblait l'entrée du client pour la livraison? Ça va être sport, je pense. À moins que... Ouais, je sais même pas comment je vais faire demi-tour là-bas. Oh mon Dieu, ça commence bien. Bon, on voit ça tout à l'heure. Enfin, pour vous. Tout de suite même pour vous. Et pour moi demain. Allez, c'est parti, on va faire un gros dodo. Bonjour, jeudi matin, il est 8h. Oula, il est 6h50. Oui, il y a des jours, ça veut pas. Hein. Je suis en plein milieu des Vosges. Je vais traverser le col du Bonhomme. Grosse tempête hier soir, grosse pluie, grosse averse, du vent, de l'orage. C'était... c'était sympa, ça résonnait dans les montagnes et tout. Moi, j'aime bien un petit bonheur en plus. En plus des belles images de l'autre jour sur le Havre avec la grosse pluie, l'arc-en-ciel. Je suis un poète de la route, poète, hein. Oui, et aujourd'hui j'ai mis ce t-shirt parce que, enfin le t-shirt Monsieur Normandie, hein, j'avais insisté un peu plus là-dessus sur le fait de pouvoir vous le procurer parce qu'en fait il faut comprendre quelque chose, c'est que c'est pas juste moi, hein. Y a d'autres chaînes YouTube qui font leurs t-shirts, des trucs qui n'ont rien à voir avec le milieu du routier, et il y a des gens qui comprennent pas qu'on fasse notre publicité pour ça. Bon, alors, ces gens-là qui n'aiment pas ça, bah vous regardez pas et vous vous désabonnez déjà, d'une, et après la petite explication c'est pourquoi on fait des t-shirts, alors c'est pas histoire de faire du profit, enfin je parle pour moi, hein. C'est pas histoire de faire du profit en disant « Ah, je vais te péter de thunes, moi, Dubaï, les 4x4, la piscine, le champagne. » C'est pour pouvoir, au cas où, s'il y a un élément qui me sert à faire les vidéos, genre la GoPro, la caméra ou même autre chose, hein, qui tombe en panne. Aujourd'hui, vu le budget, bah, il n'y a plus de chaîne YouTube. Voilà, tout simplement, c'est juste ça. Donc voilà, les chaînes YouTube qui vont vendre des t-shirts, des goodies, n'importe quoi, ou qui disent « Allez sur Tipeee pour soutenir la chaîne, etc. » Et bon, il y a peut-être des malhonnêtes dans le tas. Mais, en général, c'est que, voilà, il faut savoir faire la séparation entre ton salaire que tu gagnes en faisant ton travail et ce que va te rapporter, entre guillemets, YouTube et les à côté comme une boutique, etc., qui vont te servir pour pouvoir te racheter du matos au cas où ça tombe en panne, ou alors si tu prends une journée pour faire une vidéo, cette journée là puisqu'elle n'est pas payée au niveau prime ou au niveau des horaires, il faut quand même que quelque part tu aies quand même la même rentrée d'argent en fin de mois. Donc voilà, ça sert à ça, à tout ça. Allez, vous jouez les rageux. Oh, il y en a un qui doit rager derrière son écran là. Oui, ça arrête pas de parler de ça, c'est totalement intéressé, quelle honte. Ah, les rageux. Les rageux, c'est du pain béni pour nous les youtubeurs. Ça nous donne tellement de contenu que voilà, depuis tout à l'heure, je suis en train de causer de ça. Et j'ai presque plus de batterie. Vous voyez ? Allez, c'est parti. Moi, je vais travailler un petit peu et on revient sur des rails un peu plus sympas pour la route. C'est parti, mon kiki ! Pour le matin, c'est dur. Bon, bah,
super sympa chez Drift Shop. Drift Shop. En fait, c'est Drift Shop, mais c'est pas facile à dire. Super sympa, je demande s'ils ont une machine à café, des toilettes pour les routiers. Bon, on dit oui, moi même un petit café, on a tapé la discute. Super sympa. Super voiture que j'ai vue dans le dépôt. Merci beaucoup, Drift Shop. Donc je répète, et c'est pas sponsorisé, mais quand c'est sympa, moi je dis, je fais un petit peu de pub, c'est gratuit. Bon, bah le client est fait, impeccable. J'ai eu des nouvelles du concessionnaire chez qui je vais avoir mon nouveau camion. Bah je pense que celui-là, j'en ai jusqu'à 500 000 sans problème, hein, parce qu'au départ c'était octobre, après c'est passé à novembre, maintenant c'est janvier. On va faire des petites courses ce week-end du coup, hein. Pelle, un sac de chaud, de l'acide, de la corde, et on va faire un petit trou. Un trou moyen. Eh oui, faut respecter les délais. Ah, les Vosges. Je sais pas ce qu'ils ont en Alsace, donner des noms comme ça qui veulent absolument rien dire, qui finissent tous en Heim. Turkheim, Ingersheim, Lokenbach, Freiburg, Kaiserberg, Sigolheim, Ameschwir. Terminé. J'ai pas tant roulé que ça, à peu près 650 km pour 10h30 d'amplitude. Bon, c'est pas foufou. Ah ouais, alors demain, je vais à Rouen. Sauf qu'entre deux, bah, je vais arriver au Havre pour poser mon conteneur chez Arnal. Je vais essayer d'arriver très tôt parce que parfois, Arnal est victime de son succès. Donc forcément, il y a un petit peu de monde, un petit peu d'attente. Et après, récupération du conteneur à TDF. En sachant que TDF aussi, parfois, c'est victime de son succès. Rendez-vous TDF entre 6 et 7. Et Arnal aura 7h. C'est vendredi, ça va aller. Allez. On voit ça demain. Bisous. Oui, c'est bien une tête de quelqu'un qui se réveille. Bon, il est tôt. 5h, donc parti depuis 10 minutes. Oh, c'est vert. Pas réveillé. Ah, allez, c'est parti. Vendredi en Normandie, je peux dire qu'aujourd'hui, ça a tendance à être légèrement humide. Et je suis tout mouillé, il y a mon béret, mon pull, mon gilet. Ah nom de Dieu, nom de Dieu. Allez, Sésame, ouvre-toi, même si t'es qu'un portail. Alors, le conteneur est vide. Normalement, je... je vous ai pas dit. J'arrive chez le client, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Je me mets à quai, hop, hein, un petit coup de pince pour enlever le plomb. Et le cariste qui arrive pour me décharger, il me dit... Bah toi, il fait des vidéos sur YouTube. Effectivement, c'est bien moi. Bah oui, bah c'est malin, peut-être Mila, toi. Ah non, mais dites donc. Bah, je crois tout permis, hein, les chauffeurs, même si c'est votre boutique. La boutique. Oui, bah tu peux me regarder, hein, je viens de vous livrer. Ouais, ils sont aimables, les gens, là. On en revient donc à ce cariste qui me dit... mais oui, je t'avais mis un commentaire il y a longtemps et tout. Je fais, ah mais oui, c'est vrai. Bref, il me connaissait déjà depuis un petit bout de temps. Parce qu'en plus, j'avais dit que j'avais fait une chaîne YouTube. Donc finalement, je n'ai aucune gloire. Il va falloir sécher toi, mon petit père, parce que t'es bien crevé. Donc, retour à l'Europe pour déposer ce container. Et ensuite, surprise pour lundi. Allez, ventile. Nous, on y va.
Mais dis donc, il n'aurait pas changé de vêtements ? Si, tout à fait, il a changé de vêtements, c'est normal, on n'est pas le même jour, on est dimanche. Ah, j'ai pas eu le temps, j'étais trop pressé, j'avais pas le temps vendredi de finir la vidéo correctement. Du coup, je me suis dit, ah bon bah tant pis, on la fera plus tard. On est plus tard, le dimanche. Donc là, il est plus de 17h, la vidéo est censée sortir à 18h, c'est mort. Donc voilà, là pour vous, elle va sortir ce soir, hein ? Bah pour moi aussi, elle va sortir ce soir d'ailleurs. Bref, en tout cas, chiant, j'ai pas le temps, j'ai pas tout le temps le temps. Et là, c'est en effet le cas, j'ai pas le temps du tout, j'ai eu du retard, gros week-end d'ailleurs. Les week-ends de septembre sont tous remplis à ras-bord. Je sais pas comment je vais faire, ça va être la grosse, grosse galère. Bref, encore merci à tous pour vos encouragements sur ma dernière vidéo concernant mes talents de chanteur. Donc le bon côté, c'est que j'ai mis fin à la sécheresse en Normandie. Ça, ça fait plaisir. Oui, donc week-end prochain, cousinade. Week-end suivant, 24 heures du Mans. Et j'ai pas le budget. Je sens que ma banquière va m'aimer. Encore un grand merci pour hier soir aux abonnés qui ont organisé le repas. C'était super cool. Donc il y avait du monde. On était 12 et je crois que le 15 on est 25. On va bientôt privatiser le restaurant. Je termine vite fait la vidéo. Je sais pas ce que ça va donner. Hein, soyez indulgents. Et je vous dis donc bonne semaine. Gros bisous. Et à très vite.